Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur NBA 2K20 pour la suite de notre carrière et de ce premier tour des playoffs contre les Timberwolves de Minnesota. Pour l'instant, dans cette série, on mène 3-1 au bout de 4 matchs. On avait remporté les deux premiers matchs 70-51, 70-60. On avait perdu le troisième match 76-73. Et remporter le quatrième match 69-52. Donc aujourd'hui, on continue ce premier tour des playoffs. Et ce premier match, un match qu'il faut qu'on remporte pour passer le premier tour et ensuite pouvoir continuer les playoffs. Donc c'est parti pour ce cinquième match, cette cinquième rencontre contre les Timberwolves de Minnesota. Et bien sûr, on est parti pour essayer d'aller décrocher cette victoire et cette qualification. Allez, c'est parti, Poeltel qui prend l'entre-deux. Allez, la passe pour Aldridge qui n'est pas allé au panier. Il tente le shoot et il le met, nickel. Allez, première interception dans ce match. Et première attaque au panier pour ma part. Et ça fait 2 points. Alors évidemment, ce cinquième match se déroule à Minnesota sur le terrain des Timberwolves. Les deux premiers matchs sur leur terrain, on les a gagnés. Et ensuite, les deux matchs suivants chez nous, donc on a perdu le premier, on a gagné le deuxième. Et la défense est bien en place, ils vont devoir shooter. Et ils le mettent, bien joué. Allez, un petit écran pour un shoot à 3 points. Et ça rentre pas, malheureusement. Première tentative à 3 points qui est mauvaise. Allez, c'est bon, c'est raté de l'autre côté, le rebond. Ouh, non. Mauvaise passe demeurée, mauvais appel de balle de ma part. Hey, Walden pour les Timberwolves. Pour l'instant, ça va pas. Hey, Walden qui se manque, le rebond de Aldridge. Pour Murray qui me transmet la passe. On va attaquer le panier. Et c'est bon, ça rentre. Alors évidemment, si on remporte ce match, ben il n'y aura qu'un match dans la vidéo. Et bien joué, K-Town. Si on remporte ce match, évidemment, il n'y aura qu'un match dans la vidéo, hein, parce que c'est le premier tour des playoffs. Ouais, Aldridge, oh, c'est dommage. C'est dommage, il avait bien contourné quand même son adversaire. Ouais, l'interception de Poeltel, bien joué. Ouais, deuxième tentative à 3 points et qui est manqué. Et pour l'instant, à 2 minutes de la fin du premier carton, les deux équipes sont à égalité, 6 partout. On avait bien commencé le match en prenant, en mettant 4-0, mais la tendance s'est légèrement inversée. Et on va aller faire un tour sur le banc. Allez, on rentre à 4-15 de la fin du deuxième carton. Notre équipe mène 21-16. Allez, on rentre directement en mettant un panier à 2 points. Une petite pénétration tranquille, on n'a pas été gêné.
Walden. Oh. Il aura le N1. Look at AW, and he likes to play a rugged physical brand of basketball. Even when you get physical with him, he's still gonna find a way to score. On a Bellini, DeRozan, Aldridge et Poeltel sur le terrain avec nous. Free throw dropped for Walden. The Spurs have gone 2-3 from the field here to open the second quarter. Here in the second quarter with a little over a minute gone. Ouais, c'est bon, c'est rentré. C'était un peu osé ce que j'ai tenté quand même d'attaquer le panier comme ça avec des grandes mains. Ouais, nous on est au marquage sur Wiggins. Ouais, Poeltel face Towns. Bien joué, la bonne défense de Poeltel qui prend le rebond. Ah merde. Ah, j'ai perdu la balle. Enfin, notre équipe va la récupérer, mais. Je l'ai perdu. L'autre team l'a arraché des mains. Il faudrait que j'arrive à marquer plus de points. Allez, c'est manqué, mais Poeltel est au rebond, tranquille. Allez, c'est manqué pour Walden. Allez, Poeltel qui a failli prendre le rebond, mais malheureusement il n'a pas pu contrôler le ballon. Du coup la balle est toujours pour les Timberwolves. Ah merde, je fais faute. J'ai essayé de contrer, apparemment c'est une bonne faute, mais bon. C'est une bonne faute s'il en rate au moins un. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Allez, c'est bon, Wiggins qui en rate au moins un. Du coup, la faute, elle était bonne. Allez, Poeltel, fais-moi un écran. Non. L'écran n'était pas bon. Il vient me faire un bon écran que j'arrive à mettre un 3 points ce coup-ci. Non, c'est manqué, c'était un 2 points de toute façon, Poeltel au rebond, nickel. Allez, pour l'instant, 27-20 à 2-10 de la fin du deuxième carton. On est plutôt bien parti dans ce match. On est sur Wiggins, c'est compliqué quand même. Allez, bien joué, c'est raté. Le rebond de Murray, la contre-attaque, et on va aller trouver la faute de Walden. De lancer franc. Allez, premier shoot excellent. Et on manque le deuxième. Je pensais qu'elle allait quand même rentrer, mais non. Ah punaise, il a marqué, Murray qui a fait faute, ça leur fait un 1-1. Et du coup ça permet à Minnesota de revenir à 28-23, 5 points d'écart. Alors défense elle est plutôt bien en place à Minnesota. Eh non, ça rentre toujours pas. En même temps, c'est Minnesota qui a la pression, qui doit bien défendre. Ils sont à domicile et si on remporte ce match, c'est nous qui passons le tour suivant. Eux sont obligés de gagner pour revenir un peu. Allez, c'est bon, la défense elle a bien été en place. Oui, le contre de Poeltel, bien joué. Et la contre-attaque avec Murray. Yes! Murray qui met le panier, nickel, et qui va avoir le N1. Ah bah nous on va retourner sur le banc, déjà. Allez, plus que 3 secondes dans ce deuxième carton, 33-27. Il tente le 3 points, non c'est manqué. Et donc à la mi-temps, notre équipe mène de 6 points, 33-27. Ah c'est bon, ça c'est bien parti pour remporter cette série dans ce premier tour des playoffs.
plus 4 quand on est sur le terrain, on n'a pas fait grand chose, hein. On a mis que 9 points. Va falloir qu'on joue mieux aussi, hein, pour nos stats personnels, parce qu'on n'a pas fait grand chose dans ce match, à part marquer 9 points et faire une interception. Ouais, ben jouez Murray pour l'interception. Il fait moins un bon écran, non. On tente à mi-distance. Et c'est manqué. Ah, je suis pas dedans, hein, dans mes shoots là. Passablement mauvais ce coup-ci. Ah, et c'est bon, il l'a manqué. Le rebond de Aldridge pour Murray. Qui me la donne. Catch and shoot. Et ça rentre. Nickel. On fait un 3 points. Ah, c'est malheureux quand même que je rate autant de 3 points dans les matchs. Alors que j'ai remporté le concours de shoot à 3 points. Allez. Je fais ma deuxième faute en tentant l'interception sur Culvert. Et encore 3 minutes 30 à peu près à jouer dans ce troisième carton. Allez, c'est manqué. 3 minutes 30, 36 à 27. Pour l'instant, on est devant. Il n'y a personne qui a pris l'intérieur, dommage. Allez, DeRozan, t'étais tout seul, t'aurais pu tenter. Il va falloir shooter, pas le choix. Allez, c'est bon, ça rentre à mi-distance. Allez, Murray qui tente le pressing sur Napier. Ah, joli. Eh, ils ont manqué, c'est bon ça. C'était joli quand même la fin qu'ils avaient fait. Allez, on est tout seul. Ah, mais voilà. Comment c'est possible que je rate ça? Sérieusement, je suis trop naze. Allez, on a protégé le rebond, même si on pouvait pas le prendre. Heureusement qu'Aldridge était là. Allez, ce coup-ci, c'est bon. Petit shoot sous le panier, là. 40 à 27, 2 minutes 20 encore dans ce troisième carton. Alors on est bien parti pour se qualifier pour le deuxième tour des playoffs. Ah ouais, mais moi, Kate Towns, je peux pas le contrer. Hein. Déjà, quand je saute, j'arrive à peine à ses bras. Donc, suffit que le mec saute un petit peu et c'est mort. Quoi. Ah, on est sur le banc. Donc du coup on va avancer et on rentrera une 28 de la fin du troisième carton, 44 à 31. Oh joli le 3 points, 44-34, donc 10 points d'avance à 1 minute 20 de la fin du troisième carton. Oh oh oh, c'est passé ce changement de main, nickel. Allez, troisième faute personnelle en tentant à nouveau une interception. Allez, encore une quarantaine de secondes, on a toujours 10 points d'avance. Et l'attaque au panier, fou. Je me suis fait claquer là par Vonley. Du coup, deux lancers francs. Allez, ce coup-ci, il faut que je mette les deux. Premier shoot excellent, comme tout à l'heure. Allez, le deuxième, faut que ce soit pareil. Concentration. Allez, c'est bon. C'était pas un shoot parfait, mais c'est rentré, c'est l'essentiel.
Plus 12 à 30 secondes de la fin du troisième carton. Ah, il joue beaucoup avec les écrans là, les adversaires. Il va devoir shooter. Ah merde, j'ai sauté trop tôt. Ouais, c'est bon, il le manque. Rebond de Lyles. Allez, l'attaque, la passe pour Rudy Gay. Ah non! Dommage. Et fin du troisième carton, 48 à 36 en faveur de notre équipe, plus 12. On est bien parti dans ce cinquième match pour battre nos adversaires et se qualifier pour le deuxième tour des playoffs. Alors, qui a la passe du match? C'est Murray qui a la passe du match pour moi sur cette action. Ok. Allez, l'autre Murray qui est sur le terrain. Le chauve là, le 33. Allez, il a un peu attaqué le panier. Et on va trouver la faute de Kate Towns, sa deuxième faute perso. Et ça va nous faire de nouveaux lancers francs. Ah, le premier shoot, il était pas bon, mais il est rentré. Hein. Faut que je fasse attention. Ouais, le deuxième aussi, il est pas terrible comme shoot, mais c'est rentré, c'est l'essentiel aussi. 2 sur 2 à nouveau. Oh, il est tout seul. Le petit dunk de K-Town qui était tout seul dans la raquette. Et ça a réveillé les supporters de Minnesota là. Va falloir les éteindre, les supporters. Ouf. Ah non, non, non. C'était pas bon ce que j'ai fait. Ah, déjà, ma passe, elle était chaotique. Je l'avais déjà mis en difficulté. Et après, demander la passe, c'était pas bon non plus. Allez, c'est pas grave. Allez, changement de personnage. On était sur Wiggins. Quatrième faute personnelle. Ah, j'ai fait qu'une interception, c'est un peu rageant. Ah, j'aurais dû le pousser un peu pour qu'il aille en retour en zone. Ah, on est sur Wiggins, c'est compliqué. Ah, c'est bon, il le manque. Poeltel au rebond. Et on transmet à DeRozan. DeRozan qui me la redonne. Ah, on n'a pas assez d'énergie là. On commence à être fatigué. Ah merde, perte de balle à nouveau. Et la contre-attaque. Et il va avoir le N1 Culver. Deuxième faute de Murray. Faut faire attention. Ouais, c'est bon, il le manque. Faut faire attention parce qu'on a 10 points d'avance. C'était un peu tendu comme passe quand même. Allez, je tente un 3 points. Oh non! Ça a joué avec le cercle, mais c'est pas rentré. Ouais, c'est manqué pour Walden, mais Keitan au rebond. Et quel Chris, je sais pas quoi là, le 14 qui marque. Plus que 8 points d'avance. Ah, il me lâche pas Wiggins. Fais-moi un écran, Aldridge. Un bon écran, s'il te plaît. Allez, je te fais la passe. Allez, c'est bon. Juste avant le buzzer. Ça fait notre première passe décisive du match. On est dans le quatrième carton. Ouais, j'en ai vraiment pas fait. Hein. C'est vraiment mauvais. Yes, l'interception. Deuxième interception dans ce match. On va peut-être pouvoir conclure. Oh non! Ah non, je manque ma contre-attaque. Ah ben là, même si je reviens sur K-Town, c'est pas moi qui vais réussir à le contrer. Hein. Faut pas rêver les mecs. Allez, il reste 2 minutes 20, 52-44. Là, on est joueur du match. Ah ouais. Un peu étonnant, hein, parce que je trouve qu'on n'a pas fait grand-chose non plus. His scoring really put him over the top. You can see how determined
he's been every time he's gotten his hands on the ball. Great drive and also great focus offensively. And Greg, to play like he has under the most intense circumstances. Bon, on a quand même mis 22 points, fait une seule petite passe et deux interceptions, mais bon, on n'a pas fait grand-chose pour être joueur du match, je trouve. Hi guys, the head athletic trainer of the Timberwolves gave us some information. Apparently, he's experiencing neck spasms and that's putting him in a lot of pain. Ouais, c'est bon, ça rentre. J'ai hésité à le tenter ce 3 points, mais j'ai bien fait parce que celui-là, il est rentré. Allez, 55-44, 11 points d'avance à moins de 2 minutes de la fin du match. La défense qui est bien en place. Ah merde, c'est moi qui l'ai laissé. Allez, je fais ma 5ème faute. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, il a le N1 de Napier. 5ème faute, faut que je fasse gaffe parce que si j'en fais encore une, je me fais dégager. Ouais, c'est bon, il le manque sans lancer franc. Et la contre-attaque, ce coup-ci ça rentre, impeccable. L'interception! Ah, dommage. Dommage, j'ai arraché la balle, mais j'ai pas pu la garder. Ah, il le met. Ah, c'est de ma faute, je l'ai laissé tout seul. J'ai voulu mettre le pressing sur K-Town. Ah, il faut la jouer tranquille. Cette fin de rencontre, hein, il reste une minute et quelques. Allez, nickel, on peut attaquer le panier. Ouais, il reste environ une minute de jeu. On a 10 points d'avance. Faut gérer. Faut gérer, c'est important de gagner ce match pour passer au deuxième tour des playoffs. Faut surtout pas laisser Minnesota revenir. Oh, joli. Oh, ça roule, ça roule, ça roule. Et ça rentre. Ouais, belle action de Anthony Town. Allez, c'est à mon tour d'attaquer le panier. Non, je fais la passe. Ah, dommage. Quoi tel qu'il en manque. Ah, ils prennent leur temps quand même, les adversaires, pour bien mettre en place l'attaque. Et il a mis le pied dehors. Nickel, il perd la balle. Allez, 38 secondes, il y a 8 points d'avance. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, il n'y a plus qu'à gérer. Allez, l'attaque. Et on va trouver la faute de K-Town. Sa 3ème faute. De nouveau lancer franc. Allez, si on les met, je pense que la victoire est acquise. Allez, on met le premier, nickel. Ça nous fait 30 points dans le match pour le moment. Et le 31ème, impeccable. 10 points d'avance à 28 secondes de la fin. C'est quasi gagné. Allez, c'est manqué. Et on prend notre premier rebond en cette fin de match. Ah merde, balle perdue. On a trop joué au pass. Et ils le mettent. 61-53. Allez, c'est la fin du match. On va tenter un 3 points. Non, même pas. Ce sera trop tard. Là, on l'a mis. On l'a mis, mais c'est trop tard. Il comptera pas. Mais c'est pas grave. Victoire 61-53 dans ce 5ème match des playoffs. Du coup, on gagne la série 4-1 contre les Timberwolves de Minnesota. Ce qui va faire qu'on va être qualifié pour le second tour des playoffs. Bah, du coup, on va voir qui sera notre adversaire au second tour. On va regarder un peu ce qui se passe dans les autres matchs. Hein. On va voir
qui s'est qualifié. Alors, la petite interview, comme d'hab. Quels sont les points forts qui vous ont permis de passer au deuxième tour? On se fait confiance, hein, comme d'hab, hein, la réponse bateau. Ok, donc du coup, on va voir nos futurs adversaires, voir comment que ça se passe, et puis après on s'arrêtera là, hein, parce que de toute façon, on va pas refaire un match de playoff, vu que on fait tour par tour quand même. Alors, nous sommes vraiment très heureux du travail que tu as accompli. Les décisions relatives à l'effectif et aux rotations. Ah, ça peut être cool, ça. On peut choisir peut-être le temps de jeu de chacun. On va s'octroyer le maximum de temps. Comme d'hab. Non, je déconne. Je sais pas, on va voir. On a déjà 38 minutes dans le temps, nous. Donc, c'est pas mal du tout. Il y a des joueurs qui jouent jamais. Faudrait peut-être leur donner un peu de temps de jeu quand même, histoire de les faire participer. Après, on a les joueurs qui jouent le plus là. C'est les joueurs qui sont meilleurs dans l'équipe, quoi. Enfin, quoique Rudy Gay, Derek White. Et on va leur donner 2 minutes de jeu, c'est pas énorme, mais bon. Peut-être un peu plus. Juste histoire de pouvoir se reposer de temps en temps. Et je crois que j'ai laissé l'IA en fait. Ouais, enfin bref, de toute façon on s'en fout. On verra bien, je me poserai la question plus tard. Alors apparemment notre prochain adversaire pour le deuxième tour des qualifs des playoffs, ce sera contre les Los Angeles Clippers. Est-ce qu'il y a un tableau? Ouais. Du coup les Clippers, ils sont qualifiés en gagnant 4-2 contre les Nuggets de Denver. Qui a d'autres? Les Rockets se sont qualifiés contre les Trailblazers 4-3. Les Lakers ont switché les Golden, les Warriors 4-0. Oh punaise. Et de l'autre côté, Philadelphia a switché Toronto 4-0. Les Bucks, ils ont switché les Magic 4-0. Boston, ils ont perdu contre les Pistons 4-2. Et les Nets, ils ont gagné 4-1 contre les Hawks. Eh ben, il reste encore du beau monde. Enfin bref, du coup, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, étant donné qu'on s'est qualifié pour le deuxième tour des playoffs. Et puis, ben, on se retrouvera la prochaine fois, du coup, pour commencer le second tour. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut à tous!